pour vous faire patienter avant d'entrer, voici quelques photos de la préparation du hall d'exposition. Bon, moi j'ai assez attendu, je rentre. Nous voici sous la magnifique structure de la halle des sports de Saulieu. 4000 mètres carrés consacrés au bonsaï. Les acheteurs sont déjà là. Avant la visite de l'exposition, je vais vous faire découvrir la salle des démonstrations. Suivez-moi au sous-sol. Ici, 9 démonstrations en simultané vont avoir lieu. Grandiose. Nous y reviendrons un peu plus tard pour voir les démonstrateurs au travail. Pour l'instant, nous remontons visiter l'expo. Les professionnels occupent tout le pourtour du hall d'exposition. C'est vrai, aujourd'hui on ne va parler que bonsaï. Comme promis, nous allons redescendre à la salle de démonstration. Vous avez des questions, des voix, l'œuvre ça. Et retrouver nos bonsaïkas au travail sous l'œil vigilant du maître des lieux. 2007-2006, le plus jeune homme qui a été rencontré et qui a été passé une mémoire pour celui qu'on voit là-bas, c'est bien de la même chose. Ou on va à droite ou on va à gauche. Je vous dis pourquoi, parce que tout simplement c'est un Yamadori. Sur un Yamadori, si on prélève un Yamadori, c'est fait en mettant en place des techniques. Techniques de pliage, de vidage. L'idée d'une première manche ici, en bas, et la tête par-dessus, au-dessous. Et ici, tout le reste. Il y a beaucoup de travail, c'est quelque chose d'intéressant, mais il y a aussi beaucoup de potentiel. Donc ils ont en fait commencé par déjà commencer aujourd'hui. Les Espagnols qui donnent le maximum. 6 mains sur le même arbre, ça fait beaucoup. Je confirme, il faisait très chaud dans la salle. Les arbres commencent à prendre forme. Les Espagnols tirent, je crois, de plus en plus fort sur leur graphia.
Chez les Français, on travaille aussi à 6 mains, mais ça a l'air beaucoup plus cool. Remontons à l'expo. Nous reviendrons tout à l'heure voir le résultat final. Chinois y verrait un chien qui donne la patte. Nous allons maintenant nous tourner un peu vers les professionnels qui encerclent littéralement l'expo. Beaucoup de potiers étaient présents. Je n'ai bien sûr pas filmé tous les professionnels, ni tous les bonsaïs de l'expo d'ailleurs. Un très beau stand de Suzuki. Thank you.
retourne faire un petit tour chez les professionnels. Dernier survol chez les pros avant d'aller voir les masterpièces de la démo. Quelques beaux spécimens à la vente. Et voilà le résultat des démonstrations avant et après 6 heures de travail.